très mauvais. Hein. Et ça continue pour des températures excessives. Vous pouvez envoyer du super sticker sur YouTube en direct, aussi en différé. Oui, je réponds aux commentaires. J'ai pas peur des commentaires. Après, si ça brille de la touffe, je ne vais pas vous répondre, mais bon. Parce qu'il n'est pas sans arrêt question de parler de ma pomme. On va pas faire sans arrêt. Qu'est-ce que t'en penses? T'es qui toi? Tu fais quoi? Que ce qui se passe dans le monde ne nous changera pas. Non, mais vous-même, vous n'allez pas changer, mais vous devez vous affranchir de ces souffrances inutiles. Vous affranchir d'un ressenti, d'une haine et de quelque chose qui peut vous détruire dans l'intérieur. Est-ce qu'on a entendu parler? Est-ce que j'ai entendu parler d'un nouveau protocole sanitaire pour les enfants? Non. Je suis pas parti vraiment voir ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. L'avenir des GJ, on en fait quoi? Les GJ sont les Français, ça continue. On ne change pas de classe sociale, les riches restent riches et les pauvres, eux restent comme ils sont. Démunis devant les riches. Ouais. Mais ça, je préfère en parler du côté là, dans la tête. Comme j'ai souvent dit, j'ai toujours été riche, je ne serai jamais pauvre. Mais ça ne concerne pas un compte en banque. Toutes sortes de monnaies sous le contrôle total de Big Finance. Ouais, peu importe. C'est pas grave. Ça veut dire qu'on est tous en interdépendance. Merci, Darv. On est en interdépendance, donc on est tous plus ou moins dans le même bateau. Si vous voulez, dans la cour des grands, vous pouvez. Vous aurez des institutionnels, même en crypto. Vous aurez BlackRock en crypto. Vous aurez des baleines qui vont influencer les cours. Vous aurez des baleines qui veulent peut-être investir et qui ont fait s'écrouler un peu le Bitcoin. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre le système. Les GJ sont peu nombreux. Oui, mais vous êtes sans arrêt en train de regarder des images pour voir ce qui se passe dans la rue. Il y aura certainement un déclencheur pour qu'il y ait plus de monde prochainement. Mais quand le déclenchement vient du président, c'est pas bon. Après, les GJ sont où ils sont. Pour ceux qui peuvent me parler, même en off et même en dehors des manifs et dans la semaine, personne que je peux même rencontrer dans la rue, eh bien, ça continue. Ce qui a commencé ne s'arrêtera pas. La conscience de certains, ils sont pas redevenus bisounours. Ils ont compris. Merci Myriam, vous avez un lien sur YouTube actuellement pour aller dans le bouton rejoindre Accès Live. Accès Live pour aller sur le direct pour la seconde partie. Fao, je suis pessimiste? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vous le dis sans... Non, non. Dans ce que je propose, dans le ton que j'ai, dans les réflexions que je peux avoir, pas du tout pessimiste. J'ai un petit... Je suis un petit peu tristouille parfois pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui vont tous prendre sur la tête et qui se font bouffer. Mais pour ceux qui comprennent, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout pessimiste. Hein. Je ne veux pas me serrer la ceinture. Je ne suis pas là pour avoir 3 boulots et dormir dans une voiture. C'est vrai, ça? Qu'est-ce que je pense de la représentativité? Pour ceux qui savent pas c'est quoi, allez voir Jean-Noël Mendy. Donc quoi? On vous croit que ça continue pour les GJ? Non, 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 il ne s'agit pas de me croire, je suis pas ton gourou. Il s'agit de constater et d'aller voir un petit peu ce qui se passe parmi vos proches et ceux qui peuvent en être. Il n'y a pas que ceux qui manifestent le samedi dans Paris, dans différentes régions de France, en différentes villes. Il y a des ronds-points, il y en a d'autres qui vont peut-être revenir à la rentrée. Mais pour beaucoup de gilets jaunes, peut-être, il n'y a pas question de se faire aligner comme des poulets pour se faire tirer dessus par la police. Donc voilà. Fini les GJ? Oui, dans ta tête de crevette. Dans ta tête de crevette, c'est fini. T'es foutu. Tu penses à ta rentrée. Tu penses avec des mots qui ne sont pas les tiens, peut-être. Ça chauffe dans les têtes. Hein. Ça chauffe dans les têtes. Les gens n'en peuvent plus, les personnes. Non à la violence. Ouais, au niveau des violences, ça démotive. Tu perds ton œil, tu perds ton bras. Et vous en avez qui boycottent les manifs aussi. Odile, on revient dès le 25 août. Ouais, puis il y en a qui ont pris plein à la tronche et qui veulent plus. Ouais. Merci Solange. Non, mais ce qui a commencé continue d'une forme ou d'une autre. Après, dire sans arrêt que c'est foutu, que c'est fini, ça ne veut rien dire, ça commence seulement.